Défendre l'environnement n'est pas l'apanage des partis politiques écologistes. À Rouen Agglomération, depuis 2014, nous avons engagé un processus qui vise à être les pionniers dans beaucoup de domaines en matière d'énergie renouvelable. Ainsi, ce 4 mars, nous avons inauguré la plus grosse centrale photovoltaïque du département de la Loire. 16 500 panneaux photovoltaïques qui vont produire en électricité l'équivalent de presque 2 800 foyers. C'est ainsi que nous allons ainsi concourir à faire en sorte qu'en 2050, 50% de l'énergie consommée sur Rouen Agglomération sera produite localement en énergie renouvelable. À côté de cela, nous avons d'autres projets en matière d'éolien, de méthanisation, de géothermie profonde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous utilisons aujourd'hui un terrain qui était avant un terrain pollué, une ancienne décharge, et que nous le transformons en producteur d'énergie propre. Des panneaux photovoltaïques qui sont par ailleurs 100% français, fabriqués par la société PhotoWatt, qui a réussi à gagner l'appel d'offres. Pour nous, c'est une grande fierté que d'être l'agglomération du département et peut-être même d'Auvergne-Rhône-Alpes, et qui sait, peut-être de France, la plus vertueuse et la plus en avance sur ces domaines de transition énergétique. Produire de l'énergie verte, c'est bien. Qu'elle soit consommée aussi par des gens qui veulent militer pour que cette consommation soit issue d'une énergie produite localement, 100% locale, 100% française et verte, c'est aussi le pari que nous avons fait avec Planète Oui, qui est une société auquel vous pouvez vous abonner pour faire en sorte d'avoir de l'énergie qui soit produite ici, à Rouen, sur cette centrale, et qui en plus coûtera 10% moins cher que le tarif réglementé. Pour cela, il suffit de se connecter sur Planète Oui et de faire partie des 1 000 premiers qui pourront ainsi prétendre à bénéficier de cette énergie verte.